Et ouais, c'est le seul truc qu'on a trouvé pour faire genre Halloween. Tout ça pour sortir une vidéo spéciale Halloween. Tout ça pour vous faire une ouverture exclusive en avance. Parce qu'aujourd'hui, on ouvre du Invasion Karma. Invasion Karma, c'est la nouvelle extension de Soleil Lune. Et elle sort le 4 novembre. Et oui, normalement le 4 novembre. Et on vous propose ça avant parce qu'on est des thugs. Tous les gros youtubeurs l'ont déjà ouvert. Je parle de Picami, je parle de Lafarge, je parle de tous ces gens-là. Mais nous, en tant que petits youtubeurs, on est contents de vous ouvrir du petit Invasion Karma des familles. Ouais. Et ben aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous ouvre? Et ben on vous ouvre des tripes. Oui, ça faisait longtemps. Mais grave, les tripacks, ça faisait carrément longtemps qu'on n'en avait pas acheté, je suis d'accord. On se les est déjà répartis, parce qu'on est déjà d'accord sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut pas. Parce qu'en fait, il y a du ombre ardente dedans. Ils nous ont mis deux boosters de Invasion Karma et un booster ombre ardente. Ayant vu qu'il y avait un booster ombre ardente de Ho-Ho, forcément, c'est pour moi. On a un booster de Sylvalier et un autre de Katagami pour Invasion Karma. On vous les montrera de toute façon dans la caméra du bas, parce que c'est les nouvelles illustrations. Quand c'est nouvelle série, on prend un peu plus de temps sur les cartes. Voilà. C'est normal. Et ce qui est cool, c'est qu'on a un jeton, toujours deux fois le même, mais c'est un jeton Manaphy. Et Manaphy, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un beau jeton comme ça. Et la carte promo, c'est une Lucario Holo, et on vous la montrera comme d'habitude en gros plan. Pour ma part, du coup, moi je tombe sur un booster Marchado de Ombre Ardente. C'est pas mon préféré, mais il était plutôt chanceux, je crois, dans nos ouvertures. Il me semble que c'était même le plus chanceux, hein. Je sais plus, mais ouais. En tout cas, j'ai retenu son nom, donc c'est bon signe. En fait, t'as retenu son nom parce qu'on a eu une GX de lui. C'est ça. Elle était trop belle d'ailleurs. Elle était trop cool. On a du coup Anglo Tyran et Mouscotto pour les deux autres boosters. Et la carte promo, c'est Archiduc, le beau Archiduc. Bon, c'est ton starter, mais bon. Entre Ho-Ho, Archiduc, il fallait choisir. J'allais le dire, mais bon, Lucario j'aime beaucoup aussi, donc ça va, ça le fait bon moi. Ça va. Bon. On ouvre ça ou pas? Ouais. Scotch. Scotch. Salted Scotch. Est-ce que tu vas faire comme moi je vais faire? C'est-à-dire que tu vas ouvrir l'ombre ardente genre en mode ouais, on ouvre un peu de l'ancien. Bah de l'ancien. On vous proposera d'autres ouvertures ombre ardente encore sur la chaîne. Ouais. Hein, donc de l'ancien si on veut. Et on se garde l'invasion Karma pour après, non? Bah forcément, parce que comme c'est du nouveau et un peu exclusif, du coup forcément on se le garde pour après. Donc le bel archiduc, carte holographique du coup, donc une promo qui est très très beau. Moi j'aime beaucoup sa position. Donc je commence par le Marchado. On commence du coup avec un petit Pikachu, Flamajou. Donc on les connaît celle-là, donc on va aller vite. Hein. Salamèche d'amour, le Ratata d'Alola, Porygon, Énergie Fée, Guzma, Solarok, Apocine, sûrement la copine de Guzma, Sylvipère en Reverse. Et est-ce que t'as quelque chose? Non, oh, Mystigris. Elle est mignonne. Oh, elle est toute choupinou. Et du coup, c'est une simple rare. J'ai commencé par Engloutiran. Parce que je trouve qu'il est pas très très beau. T'es sérieuse? Je trouve que c'est une des plus belles, moi, illustrations. En fait, moi, il me fait peur. Alors là, on va passer du temps sur les illustrations, parce qu'elles sont trop belles déjà. Le petit Galekid, déjà, il est trop choupinou. En vrai, je la trouve trop trop belle, l'illustration. Elle est trop trop belle. Une Starry qui flotte dans l'eau. Elles sont deux encore, c'est marrant, ça, ils sont deux. Par contre, je la trouve pas belle, l'illustration. Non, elle est pas terrible. La position du Starry, moyen. Ouais, elle est un peu genre, oh, on dirait une baleine échouée. Bébé Kai, que trop mignon. Carte très classique, mais trop le décor effectivement un peu aquarelle, très c'est passé ça, en fait. C'est très, ouais. Du flou en fait, arrière-plan, ce qu'il faut c'est faire. C'est trop trop beau. Barpo, qui est pas très beau là pour le coup. Hein. Nounourson, qui est le pédophile en devenir. C'est ça, pédobille. Non, il est vraiment trop chou. Ouais. Dans ses petites fleurs et tout, voilà, ça c'est kawaii. Ça manque de petits joyaux ici. Ouais, c'est ça. Et c'est Pokéyun, ça y est, on y est. L'énergie électrique, bon bah, comme les autres, hein, ça ne change pas pour les extensions. Galégon, bah l'évolution de Bébé Kid. Exactement. Et puis là, du coup, on est dans un style qui rappelle l'autre de tout à l'heure plutôt. C'est ça. Qui ressemble à, du coup, Bébé Kai. C'est ça, avec un... Avec le flou. Exactement. Elzamina. Elzamina. Sympa, j'aime beaucoup sa coiffure. Faire un cosplay de ça, bon courage pour la perruque. Hein, ouais, c'est même plus les cheveux qu'on mette là. Gros Ray. Ah, c'est marrant, tu chopes la carte Pokémon qui te représente le plus. C'est ça, on dirait exactement moi qui est contente, qui danse, voilà, dans la vie. Elle est vraiment belle, par contre. La ligne de fuite, là, avec les oui. traits, oh, j'aime beaucoup. Ouais, sympa. Raichu d'Alola en reverse. Une nouvelle carte du coup, et c'est Raichu d'Alola, c'est cool. C'est une rare reverse, donc potentiellement une holo. Potentiellement une holo. Elle est super classe. Elle est super cool. Avec la petite fleur devant, c'est nice, franchement. Ouais, c'est ça que j'aime beaucoup. La fleur et tout. Non, elle est, franchement, elle est magnifique, quoi. Bon, bah, très content. Puis les reverse toujours aussi jolies, de soleil et lune, je suis vraiment fan. Ouais. C'est bon ça, Diopac direct, damn. On se tape une ultra, deux soleil, lune, invasion karma. La 101 sur 111. Ou alors... Qu'elle va être jolie. Oh mon gars. Oh génial. L'Aléviator. C'est Poulard putain, j'ai pas tilté. J'ai pas tilté.
Je l'ai touché, c'est une full art. Mais c'est la carte que je me suis spoilée, mais pas en full art. Mais elle est tellement belle. Mais attends, mais les gens qui disent que les full art elles sont moches, mais là elle est trop belle. Non, mais elle est trop belle, les gens. Regardez-moi ce bleu. S'ils ont fait mieux que ça en full art sur cette série, franchement, chapeau, mais c'est un Léviator. C'est la première G. J'adore. Alès, tu vas adorer. Ouais, c'est. Bah, c'est il est fan de Magikarp. Waouh, elle est trop belle. Oh, mais t'as chopé la meilleure carte du monde. Attends, attends, pochette direct. Là. Bon, et on peut dire que c'est le retour des ouvertures à deux, donc c'est un duel. Et là, franchement, tu m'as, mais genre une full art Léviator, quoi. Et bah, tripack pour le coup sont ultra chanceux, là. Là, on peut ouvrir, on peut avoir que de la merde. Là, on est content. Là, c'est parfait. Et tu commences avec, dis pas ton illustration préférée. Starry, la baleine échouée. Oh bah. Bébé Kai, encore une fois. Escargot, je ne connais pas ce Pokémon. Il est plutôt rigolo. C'est un Pokémon effectivement de type plante qui est plutôt cool. C'est une espèce de limace dans une espèce de carapace escargot, mais avec un casque un peu de chevalier, tu vois. Ah oui. C'est un truc un peu chelou, mais pourquoi pas. Ils sont partis loin, mais c'est cool. Ils sont partis très loin. Ouais. Ils sont partis. Ouais, ils sont partis dans la drogue, je pense. Oui, c'est ça. Mais ouais. Le Tritox. En fait, j'aime bien le décor, l'ambiance qu'ils ont mis avec l'espèce de volcan à l'arrière-plan. Et clairement, tu vois, on veut montrer que Tritox est énorme parce que ça fait une sensation de gigantisme avec le volcan qui est tout petit. C'est assez étonnant. Ouais. Même gargantuesque, je dirais même. Ah d'accord, ok. Moi, je dirais gros. Et Tourmic et tout mimi. Alors, pour l'instant, c'est mon illustration préférée. Elle est super classe pour moi. Ouais, bon. C'est vrai qu'en fait, les traits de lumière, là, pour le coup... Ouais, et puis le côté ça... encore à plat de couleur, oui, presque vectoriel. C'est ce que j'allais dire. C'est classe. Ouais, c'est ça. L'énergie, feu. Et crémeux. Oh, il est posé, là, contre son arbre. Attends, mais sa tête, on dirait un... Genre, un chien. Ouais, j'allais dire un labrador ou un chien. Ouais. De profil, c'est trop chelou. C'est trop marrant. Il a un petit museau, en fait. Oui. Il fait chien. Et Caïd, et bah, l'évolution de bébé Kai. Bah ouais. Super, du coup. Une poche de course. Donc c'est clairement une banane. Ce que je veux dire, tu viens de choper la carte banane. Donc c'est cool. Tu viens de choper la carte Jackie Tuning. c'est cool. Oh, Starry en reverse. Notre carte préférée. C'est génial. Je suis contente. On peut pas être chanceux tout le temps, mais peut-être que c'est une holo. On a 31 sur 111. Et bah Raichu en holo. C'est une holo, pas oui. C'est une holo, oui. Une holo. C'est bon ça. Ça c'est parfait. J'ai la holo et j'ai la reverse holo. Et du coup, je mets directement la reverse sous pochette parce que c'est une holo. Donc en fait, les deux boosters ont été chanceux pour toi. Une holo et une full art. Donc c'est parfait. J'aime beaucoup cette nouvelle extension. C'est étonnant, cool, hein. Je sais pas ce que, pourquoi, mais je l'aime beaucoup. J'espère que tu seras aussi chanceux, mon cher Saran. Je l'espère aussi. À mon tour. Eh ben, je vais commencer par quoi? Bah, par Ombre Ardente avec notre petit OO. D'ailleurs, gros bisous à OO, hein, si tu passes par là. Bon, OO, jolie poupée. Sur mon doigt coupé. Ça fait plaisir de retrouver du Ombre Ardente après avoir fait du Invasion Carmin. C'est déjà rétro, Ombre Ardente, c'est dingue, hein. On commence avec un Flamajou, on s'en rappelle, cette carte, elle est très sympa. Magikarp, Ratata d'Alola, Sofkipu, Togedemaru, Energie O, Solarok, la corde sortie, Ortide. Pour l'instant, aucune carte qu'on a pas. Ortide en reverse, ah c'est trop chelou genre. Ah oui, c'est zup, 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 zup. Et du coup, est-ce qu'on va avoir une rare qu'on n'a pas? On ne sait pas. Au bordel. 130 sur 147, c'est une full art, c'est une full art, c'est une full art, c'est une full art, c'est une full art. Wouah la vache. Toco Toro GX, mais what the fuck. Mais c'est pas possible cette ouverture de port. Les gens ils vont dire on a de la chance de ouf. À chaque fois là, mais... Mais attends, mais c'est pas possible. What the fuck. En plus c'est dans le booster de merde que je l'ai eu. Non, pas de merde, mais bon, je l'ai eu d'Ombre Ardente quoi. On s'en fout d'Ombre Ardente, mais bon. Mais nous, on voulait ouvrir de l'invasion Karma. Putain, mais tout le monde dit les foulards sont pas belles, je suis d'accord, non, dans un sens, mais celle-là est trop belle. Non, 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 moi j'adore, je suis fan du fond. De couleur. Ça, franchement, faut pas qu'il en ait. Surtout que là, ça tranche grave. Là, regarde, il est rouge et noir. Et puis avec le fond vert. Et les bords bleus. Bon, bah écoute, je commence par une full art. T'as une full art aussi. Donc en fait, pour l'instant, on est presque à égalité. Hein. Je pense pour toi que ça va être facile. C'est parce que tu as des chances d'avoir 2 euros. Ouais, je sais pas. Mais après, le truc, c'est que pour moi, une full art là, d'Invasion Carmin, on peut la mettre au-dessus d'une full art de Ombre Ardente. Parce qu'on veut ouvrir de l'Invasion Carmin. Oui, mais surtout que c'est un Léviator, mon chéri. C'est un peu ça. Eh, hey, mais Toko Toro, c'est un des gardiens. C'est un légendaire. C'est vrai. L'éveillateur n'est pas un légendaire. Non, mais il est badass. Il est badass. On va commencer par Sylvalier parce que je préfère, pour le coup, Katagami. Voici la belle illustration de Sylvalier qui est très classe. On dirait presque un chien, mais ce n'est pas du tout un chien. On commence avec un Tilton qui est genre trop mignon. Mais de ouf. Il est trop chou. Trop mignon. On dirait un poussin. On dirait Borg, c'est ça. Spoink. On dirait vraiment toi ce Pokémon. Les petites joues roses, la grosse boule sur la tête. Bah si, il a une boule rose comme tes cheveux. Oh Yoko. Rondoudou. Ah, en plus il est trop mignon. Il est beau, j'adore le reflet. Grave, le reflet bleu là sur sa mèche. On dirait presque tes cheveux. Moi ouais. Neuneuf. Pokémon de première G encore, hein, c'est cool. Ça fait plaisir. Énergie, feu. Elzamina. Encore. Ok. Ah, gros ray comme toi. Ouais. Ah, Emolga, j'adore ce petit Pokémon. Alors beaucoup de gens disent ouais, la petite copie de Pikachu qui s'est sortie après. Non, en vrai il est trop mignon, c'est un Pokémon électrique. C'est un écureuil volant, donc c'est pas comme Pikachu. Ah bah. Okay. Ah, mais c'est pas possible. Et je fais que des trucs comme ça, moi. Arrête. Oh, merde. Oh, putain, j'ai plié la carte de ouf. Oh, putain, je vois con. Ok, c'est pas grave. Le 21 sur 100. Ah, Mamochon, c'est une holo ou pas? Non, je vois pas. Non. Ah, merde. Ah, faut que je te batte, c'est chaud, Mamochon. Qui est mignon, quand même. Passons à Katagami. Magnifique illustration, d'ailleurs. C'est ma préférée, presque, de la série. Rien que pour ça.
Rien que pour ça, j'aime c'est bien. Vrai, la traînée de lumière. Ça fait toujours quelque chose, la traînée de lumière. Ouais, quoi, ouais, ouais. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Okay. Ah oui, bah c'est Halloween, les gens ils se font peur. On commence avec un racaillou d'Aloella qui est trop chou. Waouh, il est trop dark. On dirait Manuel Chin, trop stylé. Ouais. Non, en vrai, j'aime bien l'illustration, elle est sympa. Elle est cool. Galekid encore. Encore. On aime beaucoup. Oh, Isnor, il va kiffer sa mère. Oh, elle est trop belle. Parce qu'elle est trop belle, exactement. Pour une fois, putain, ils l'ont jamais illustré comme ça. Mais il est gentil quoi. Il est malin un petit peu. Ouais. Et je sais pas, son nuage de fumée autour là en. Un peu en mode feu presque, ouais. En mode pointu, c'est classe. D'habitude c'est des boules, tu vois, plus. Ah, j'adore cette illustration. Bah gros coucou à toi Isnor, si tu passes par là. Tarigon déteste. Hein. Oh, Cacnea. Elle est trop mignon. Énergie combat. Rome combat. C'est un CD-ROM. C'est trop marrant. Ils ont fait un CD-ROM. Ah, j'adore. C'est excellent. En plus, il y a un Sylvalier derrière, non? Ah oui, bah, le Sylvalier GX auquel cette carte est attachée est un Pokémon combat. C'est pour changer son type. Grave alors, Jalola. Moi j'aime bien les lumières, toujours. Moi j'adore. Les éclairs bleus et tout, on aime bien. On aime les lumières. Ah, Emolga encore, mais cette carte, dis donc, bah heureusement je l'ai pliée, celle de mon, donc ça tombe bien. Ok, Carabingue en reverse. C'est l'illustration que j'aime bien un petit peu aussi. Très dessin là pour le coup. Oui, attention tout le time. Et attention, la 68 sur 111, peut-être une holo. On l'espère, on fera une espèce d'égalité. Mais non, t'as une holo reverse toi. Ah. Oh, Régistil. Wow. Ah. Bah en fait, c'est pas une holo, mais c'est plutôt cool, c'est rare en fait qu'il y ait un dresseur sur la carte. Oui, elle est vraiment cool. J'ai clairement perdu, clairement. C'est pas grave. Non, bravo à toi. Bravo à toi parce que là, tu m'as tapé la carte de ouf. On va faire un petit récap. Je vais commencer par mon récap pour le coup parce que c'est le moins ouf. La petite carte promo, c'était le Lucario holographique. Alors. Pour le coup, cette carte, elle est vraiment jolie et en plus, je ne voulais pas montrer au début. Je suis vraiment chiant avec ça, j'oublie tout le temps. Donc, Lucario holographique, je vous la montre cette fois bien et elle est vraiment jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est le mouvement de combat là. C'est très manga. Oui, exactement. Et du coup, la seule carte que j'ai eue de sympathique, c'est le Tokotoro GX Full Art. Pour le coup, la seule carte que j'ai eue, mais ça va, en fait, on aurait eu que ça sur toute une ouverture, on était contents. Oui. Les tripox sont remboursés, comme on dit. Mais c'est de l'ancienne extension. Ta carte promo, on la remontre, c'est l'Archéduc hein, qui est très sympa ou Archéduc pour les intime. Le petit Raichu d'Alola que t'as eu en holo reverse, on a su que c'était une holo reverse grâce au fait que tu l'as chopé en holo derrière, donc plutôt classe. Et surtout, c'est clairement la carte de cette ouverture, le Léviator GX Full Art. Alors franchement, sur la Tokotoro GX, tu vois, il y en a un fond qui tranche, donc c'est sympa. Ouais. Là, on a un fond qui tranche pas du tout, et c'est d'autant plus sympa parce que là, on a presque l'impression que c'est réaliste et que c'est pas une couleur d'aplat. C'est-à-dire qu'on est presque dans l'eau avec, tu sais, il y a les fameuses bandes de lumière dans l'eau. C'est vraiment classe. Je me permets d'insister, mais là, voilà, on a un fond qui tranche. Là, tu vois, on a le contour liseré bleu autour qui est propre à toutes les full art GX de ce bloc, hein, le bloc Soleil Lune. Et là, encore une fois, voilà, c'est ça. Ils ont gardé le contour bleu, alors que le Pokémon est bleu. Ils ont gardé un fond bleu, alors que le Pokémon est bleu. C'est dingue. Moi, je suis fan surtout de ses yeux rouges. Oui, mais carrément, sa langue rouge et ses yeux rouges qui ressortent forcément. J'aime beaucoup. En tout cas, très content de cette ouverture. Bravo à toi. J'espère que ça vous a plu, cette petite avant-première, entre guillemets, qui n'en est pas vraiment une. Mais bon, finalement, si. N'hésitez pas, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis, le subscribe. Yeah, motherfucker. Eh oui, on vous dit à la prochaine ouverture, c'est-à-dire samedi. Il y aura quand même une ouverture samedi, eh oui. Ouais. Et puis, on vous fait plein de bisous. Bisous.